la pause relax du week-end avec son équipe au Musée national de Kinshasa, les choses sérieuses commencent. Lorsque des sociétés chinoises s'installent en RDC, ils amènent des cadres chinois et ne font aucun transfert technologique aux Congolais. Mais ce n'est pas le cas avec Okapi Finance. Le but du voyage de Gisèle Mouépou en RDC est justement la formation des Congolais à la technologie Okapi Finance. Au programme aujourd'hui, Gisèle Mouépou doit superviser à la fois la formation des agents de EcoBank et des employés congolais de Okapi, nouvellement recrutés à Kinshasa. Après un briefing sur le déroulement de la formation, un problème de la langue se pose. Heureusement qu'un des agents Okapi Finance à Kinshasa est 100% bilingue. La présentation commence, mais la PDG Gisèle Mouépou doit s'absenter pour aller voir comment se déroule la formation au bureau de Okapi Finance sur le boulevard du 30 juin à l'immeuble Sabena. Tout se passe très bien. Gisèle Mouépou est très contente de la performance et la compétence des employés congolais, dont plusieurs maîtrisent aussi très bien l'anglais. Comme on dit en langage quinois, RDC est Lokoyama Kasi. De retour à la formation chez EcoBank, c'est déjà la fin. La session des Q&A. What is asking is from his understanding, from his understanding, is like this.
Yes, there is no direct integration between Ukapi and Ecobank's whole banking system, but we have some integration with Ecobank in terms of, you know, when the customer is onboarded in Kenya, for example, it is screened again, or like the information is checked against IPRS. La formation est terminée. Après 2 heures de jargon technique, tout le monde est content, car ils ont beaucoup appris et aimé la vision de Ukapi Finance. Dans un pays de 84 millions d'habitants, lutter contre la pauvreté par la bancarisation et le financement des petits commerces des mamans congolaises n'est pas chose facile. Mais Gisèle Mouépou est une femme dont la passion et la détermination ne reculent devant aucun défi. Et aujourd'hui, une bataille de plus a été gagnée dans cette importante mission si salvatrice pour notre beau pays, la RDC. Restez branchés pour la suite du voyage en RDC de Gisèle Mouépou. Ukapi Finance, Yabiso Moko. Welcome to Ukapi. Our mission is to bank the unbanked by actively participating in financial inclusion. Ukapi's services increase accessibility to financial services. Ukapi is a Swedish fintech company with the mission to achieve financial inclusion.